Madame Pierre et Cécile, on a 85 ans, 6 enfants, 3 garçons, 3 filles, 9 petits-enfants. On l'a amené à d'autres écoles, on l'a amené à d'autres partout, il fallait mettre l'école dans la chivazote. Et ma zote, et puis ben, faire des choses qu'il fallait pour les enfants avec la maman et le papa. Ben, nous l'avons fait tout ce que était possible, on l'a fait pour ça. Le respect, ben, la zote la joie tout. Quand on avait mauvais temps, ben, les enfants ils partaient à l'école, mais quand ils partaient à l'école, ils n'avaient pas un ticket pas passé. Ben, la mairie était féminine à Catapilla. Catapilla, t'es bien cher, sa zote, t'es bien cher, sa zote. Avec Catapilla, t'es pas dans la rivière, t'es bien cher, sa zote, ici, mettre sa zote dedans. Faisait peur longtemps. Il n'y avait pas de monde, on était fait peur longtemps, ambition. Il n'y avait pas de l'eau, pour les sociétés, il fallait trapper de l'eau sous cap là-bas, ça, quatre cascades là-bas pour nous boire, pour nous servir, tout ça. Hein. 55 ans, il habite la colline. Mon mari, il n'y a pas trop longtemps, il est mort. Jusqu'à l'air, il dit, jusqu'à Tava, mon oreille est venue à l'église. Tu n'es pas là, je vais me tracasser. Il faut prier, parce qu'il y a trop de catastrophes sur la terre. Une paroisse de délivrance, mais on a 85 ans, on est baptisé dans cette église. Être choisi pour la colline, ben, c'était l'honneur. C'est une mamie cool, très courageuse, avec le cœur sur la main. Une mamie gâteau, en fait. Donc, elle prie toujours pour ses enfants, pour les examens, toujours à l'écoute. Et toujours derrière, elle s'inquiète beaucoup pour ses petits-enfants. Donc voilà, et j'avais aussi un papy super bien, super courageux comme ma mamie, un couple très bien. Mon choix était sur Madame Percé, c'est une dame que je connais depuis 2014, lorsque je faisais du terrain sur le bas de la rivière, et ce qui m'a attiré c'était son sourire. C'est une dame qui a toujours le sourire, et qui, par sa gentillesse, elle était orpheline très jeune, donc elle n'a pas connu l'amour d'une maman. Et la voir aujourd'hui avec 6 enfants, je dis, son corps était rempli d'amour pour avoir autant d'enfants et les aimer autant. Et la preuve en est aujourd'hui, ils sont tous là présents.